Anna, je suis malade. Vous me donnez trop de devoirs. C'est une brosse tactile. Tactile ? Salut tout le monde ! Comme vous le savez, c'est interdit d'utiliser nos téléphones au collège. Mais on a tellement envie. Et vu que c'est interdit, c'est encore plus tentant de l'utiliser. En plus, en cours, j'ai trop envie de savoir les nouveautés sur Instagram et TikTok. Donc aujourd'hui, on va vous présenter des solutions pour amener votre téléphone en cours et l'utiliser. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne et c'est parti! Je me présente, je suis une élève en 3e. Bonjour, je me présente, je suis la service du contrôle des téléphones. Bonjour! Bonjour, on met le téléphone ici si tu l'as. Mets ton téléphone ici parce que je sais très bien que tu le prends tout le temps. Regarde, tes amis, ils l'ont déjà mis. Mais non, aujourd'hui je ne l'ai pas parce que j'avais plus de batterie, donc ça sert à rien de prendre un téléphone déchargé. En cours. Tu peux voir qu'est-ce que t'as dans ton sac? Oui, oui, vous n'avez pas le droit de fouiller, donc je vais vous montrer. Alors, j'ai mes cahiers, voilà, de cours, comme vous pouvez voir. Espagnol, SVT, musique. C'est quoi? Ah, ça, c'est des livres, regardez, parce que j'aime bien lire, voilà. En plus, c'est des livres que j'ai finis et du coup, après les cours, je dois aller à la médiathèque pour les rendre. Voilà. Okay. Et après, mon carnet, c'est bon? Allez, tu peux y aller. Merci. Donc, vous devez lire cette feuille et répondre aux questions sur cette feuille. D'accord. Pas trop envie de travailler. Mon livre magique. Tadam. Hop là. Un petit tour sur Instagram. Non. On va aller faire un petit tour sur Snap. Et maintenant, l'astuce de comment faire ce livre magique. Vous prenez un livre que vous avez déjà lu 10 000 fois, qui ne vous sert plus à rien. Vous l'ouvrez à une page, vous mettez votre téléphone, vous faisiez la forme de votre téléphone comme ça, à peu près. Vous découpez un peu plus grand. Vous prenez un cutter et vous coupez. Tada ! Et voici le résultat. Parfait pour mettre téléphone. Ah là là, je suis malade. Vous me donnez trop de devoirs. Regardez mon cœur. À votre âge, déjà? Oui, oui, je deviens vieille. C'est parce que vous me donnez trop de devoirs. Moi aussi, quand j'étais petite, j'étais malade comme ça. Quoi? Oui. Allez, tout de suite le téléphone dans le bac. Trop maligne. Vous êtes en train d'inventer des choses inutiles à la place de faire vos devoirs. Ah, tenez. Je vais m'ennuyer, super. Alors aujourd'hui, j'aurai une heure d'études et vu qu'il fait beau, ils ont dit qu'on va faire études dehors. Donc je pourrais me cacher au coin de la cour et regarder mon téléphone. Il faut que je trouve quelque chose pour ramener mon téléphone jusqu'à la cour. Alors attendez avant que je vous dise mon livre. Ouh, perfecto! Alors on va prendre le chocolat, l'emballage du chocolat. Ça je peux le garder pour la récré, perfecto. Je vais mettre mon magnifique téléphone qui rentre très bien. Et voilà. J'espère t'as rien. Oh, c'est bon. Il faut bien que je ferme. Bonjour. Bonjour, bonjour. Toujours avec un téléphone? Non, dommage, je l'ai cassé. Je l'ai fait tomber dans ma piscine hier. Dommage. Mais je peux voir ton sac quand même? Oui, tenez. Aujourd'hui, je vais vous laisser regarder tout seul. Si elle me l'a donné, c'est dire qu'il n'y a rien. Et t'as quoi dans tes mains? Ah, c'est mon goûter. C'est pour moi? Non. C'est mon chocolat préféré. On n'a pas le droit de manger en cours. Donc, donne.
D'accord. Je pourrais le reprendre après? Non. Je pensais que t'allais mon... C'est quoi ça? Voilà comment je passe mon heure d'étude. D'un côté des plantes. En plus, j'ai même pas mes amis avec moi parce qu'ils sont en cours, en AP. Je sais pas quoi faire. J'ai plus mon téléphone. En plus, j'ai pas de chocolat. J'ai oublié chez moi. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une heure de colle. Parce que j'ai essayé de prendre mon téléphone en cours. J'adore. Donc là, il faut trouver une solution de comment prendre mon téléphone en heure de colle. C'est parti. Alors là, je me prépare pour ma journée et pour mon heure de colle. En même temps de me brosser les cheveux, j'essaie d'inventer une solution pour ramener mon téléphone en salle d'heure de colle. Et je pense que je viens juste de la trouver. Je vais essayer de faire une brosse à deux faces. Miroir tactile et brosse. Bonjour. Oh, coucou, qui arrive? Ça va? Bah, tenez mon sac. Vous avez le téléphone ou pas? Non, pas du tout. Il est vraiment pas. Pourquoi tu fais que de te brosser les cheveux? Bah, c'est juste une brosse, regardez. C'est quoi cette brosse? C'est une brosse tactile. Tactile? Oui, d'un côté c'est la brosse et d'un autre c'est un miroir magique et drôle. Regarde, il montre de comment vous ressemblez. Oula! Et regardez comment vous êtes belle aujourd'hui. Laisse-moi regarder. C'est vrai. Ouh là là! Je sais pas que quand je cligne des yeux, il y a des étoiles qui partent. Oui, vous avez vu? Elle montre votre beauté fatale. Aujourd'hui, comment je suis belle. Merci. Où t'as acheté cette brosse? Sur AliExpress, tu peux le retrouver. Bon, cherche sur AliExpress brosse tactile. Décoiffée. Moi, j'avoue, je suis un peu décoiffée. Oh, je suis horrible. Ouh, oh. Bon, avec cette brosse tactile, on peut pas s'ennuyer en cours. Regardez qu'est-ce que j'ai. Mon agenda. Vous remarquez rien là? Regardez. Alors là, je mets mon agenda devant moi pour regarder, pour voir mes devoirs. Et je peux traîner sur mes applications préférées. Est-ce que vous trouvez ça cool? Si vous trouvez ça cool, mettez des likes et on passe à la prochaine solution. Oh bonjour, on ramène son téléphone directement. Non, aujourd'hui j'ai un contrôle super difficile en maths et là je suis en train de faire des calculs. Et j'ai droit à la calculatrice, donc voici ma calculatrice. Il est grand. Oui, c'est pour calculer les tangentes, le cosinus. Bon, comme vu qu'on a le droit de la calculatrice en classe, tu peux y aller. Merci. En fait, pas du tout, j'ai pas de contrôle. C'est juste mon phone. Je l'ai scotché et maintenant je peux aller sur mes applications préférées. Oh, trop belles les chaussures. Alors là, on a besoin d'un téléphone et plusieurs crayons de couleur et de la colle. Alors, on prend la colle, bien sûr. Alors. On va mettre sur ma coque, bien sûr, pas sur mon téléphone. Comme ça. Là. Et voilà, c'est parfait pour l'art plastique. Oh, on voit pas du tout quand je suis comme ça. Bon, c'est bizarre, il y a des crayons de couleur qui volent, mais je vais tenir mon téléphone comme ça. Voilà, parfait, on y va. Alors aujourd'hui, j'ai art plastique et je me suis préparée avant. Alors là, on dirait simplement que c'est des crayons de couleur, mais absolument pas. Il y a un téléphone caché que je peux bien sûr utiliser. Alors, quelle couleur je vais dessiner? Bon, on va dessiner avec tous. Hein. Perfecto.
Ah oui, oui. En plus, c'était trop ennuyeux. Oh, attends, je me rapproche de la surveillante. Chut. Reste sur la ligne. Aïe. Mélina, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je suis tombée au ski. J'ai trop mal. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Il faut que tu vas voir l'infirmière pour savoir si tu vas rester au collège ou sinon tu rentres chez toi. Oh non, c'est bon, je peux aller en cours. Ne vous inquiétez pas.